بس خير لو سفر حدا مقراني درس زوار هذا يغضون من وقص اللي يتكلت أصبعي ماني وما كن دايق ثلاث درسي ويليو السماء المسلية في la transition. La transition, c'est un peu à la mode, en vogue, on a une nécessité d'en parler, cela, il est nécessaire d'en parler. Donc, pratiquement, dans la région de Gaith, la population, du moins, ce qu'on peut considérer comme les gens intéressés par le changement de politique dans le pays, cette population a reçu beaucoup d'acteurs qui sont venus de l'extérieur. Il y a des gens qui sont d'ici chez nous. Donc, pratiquement, l'université a reçu des gens comme Mustapha Bouchachi, comme Karim Tabou, comme certains d'entre nous, comme Zinati, Jamel Zinati et autres. Et tout le monde, a pour souci d'expliquer cette étape très très importante qui est une étape qu'on désigne pratiquement par le mot transition. Donc alors on va essayer de discuter et de laisser un peu de trou comme ça pédagogique pour pouvoir installer un débat. Alors transiter, dans la transition, c'est tout simple, c'est passer d'un point à un autre. Et transiter politiquement, c'est passer d'un système politique à un nouveau système politique. Donc, sur le plan méthodique, l'analyse requiert donc de voir les trois points. Donc, nous avons un point de départ qui est le système duquel nous voulons sortir. Nous avons un point d'arrivée sur lequel nous devons nous entendre. Quel est ce point d'arrivée? C'est quoi ce système que nous voulons instaurer? C'est quoi cette Algérie nouvelle? Et entre les deux points, il y a la transition. Et la transition, donc, c'est un cheminement, plus ou moins, si vous voulez, c'est pas géographique, mais c'est un processus qui nécessite des acteurs, c'est-à-dire des personnes, des gens, des institutions, qui nécessitent des organes et qui nécessitent une feuille de route, qui nécessitent donc un état d'esprit ou bien une intelligence, ou ce qu'on appelle une ingénierie, qui va conduire donc la sortie du système initial, l'installation avec un certain agenda de plusieurs étapes, un jalonnement de plusieurs étapes qui va mener vers un projet. Et ce projet-là est à définir. Certains parlent de Deuxième République, d'autres parlent de Nouvelle Algérie et tout. Bon, on peut s'en tenir juste au mot République démocratique et sociale, tel que défini par le Congrès national, qui est pratiquement la première matrice politique de ce pays. Et avec cette définition toute simple, qui on verra tout de suite là dans l'analyse du système, comment cette définition a été édulcorée, puis pervertie, ensuite transformée, et par la naissance justement de ce système. Donc alors je vais aborder avec vous trois moments. Nous allons parler du système algérien, du système politique algérien, avec son habillage, avec ses avatars, avec ses prétentions, entre guillemets, démocratiques et républicaines. Et nous allons nous entendre sur une méthode. Comment nous projeter dans l'Algérie, la prochaine Algérie, la prochaine République, la République que nous voulons construire, c'est quoi cette République? Et la transition consistera dans un premier temps à essayer de traduire politiquement les slogans et les credos de la population au mouvement. Toute cette population algérienne dans les 48 wilayas qui est sortie et qui crie des slogans, avec un slogan pivotal principal, c'est système dégage.
Et puis tous les autres slogans tournent autour de ce credo, de cette intention-là affichée qui est de dégager le système. Donc nous allons traduire les principaux slogans comme système dégage, comme Sylvia, pacifiste. Idnahauga, qu'est-ce que ça veut dire? Bled Bledna, Demoraina, qu'est-ce que ça veut dire? Et le tout dernier qui est sorti, qui est chanté par pratiquement tout le monde, c'est Ben Salih Haray Harayah, Dimash Gaïtsa. Eh oui, c'est le slogan, c'est le tout dernier qui est sorti. Je parle des slogans partagés à l'échelle nationale, hein, parce qu'il y a des slogans localisés dans certaines wilayas qui essayent d'imposer une sorte d'identité locale à ce mouvement-là. Donc je vais commencer par une petite analyse des racines du système politique algérien. Alors en gros, je ne vais pas remonter au mouvement national, donc je ne vais pas remonter jusqu'à l'étoile nord-africaine, ce n'est pas un cours d'histoire. Je vais démarrer à partir de novembre 54. Donc alors novembre 54, 1953, c'est un survol justement pour planter un peu mes propres idées, comment je vois les choses. Alors, 54, donc 1er novembre 54, la guerre éclate, principalement dans deux régions. Les Aurès et la Kabylie. Les autres régions ont été plus ou moins bougées, entre guillemets, par la Kabylie qui a envoyé des militants, qui a envoyé des kamikazes vers la Midija, d'autres vers le centre, etc. Cette naissance-là, donc, s'est faite au forceps, s'est faite difficilement. Dès le départ, quand nous lisons la déclaration de novembre, nous constatons que les acteurs de novembre avaient un projet guerrier. Ils avaient un projet guerrier. Ils avaient un projet limité à la sortie du colonisateur. Un soufan, français ou Baden Wali. Nous dégageons la France, la force colonisatrice, ensuite, entre nous, on verra. Donc, dès ce démarrage-là, il n'y avait pas de projet de société. On voulait l'indépendance pour l'indépendance. On ne voulait pas l'indépendance pour instaurer l'égalité ou des trucs comme ça. Tout ça n'était pas au menu. Et immédiatement, ces jeunes qui avaient déclenché la guerre n'avaient pas de modèle social à copier. Donc ils se sont implicitement et sans doute inconsciemment rabattus sur le modèle jacobin français qu'ils voulaient dégager. Mais pour eux, c'était juste une opération révolutionnaire. Il fallait casser l'ordre colonial qui était arrivé au bout de toute la déshumanisation possible, des esclavagistes et tout ce que vous voulez, au rôle de la Chine, il n'y avait pas de mufakhir ou alors un kibbel al-ash. Donc ils n'avaient pas un projet. L'essentiel pour eux, c'était la survie et dégager la France. Donc ils se sont mis à suivre un petit peu, à rêver un petit peu de l'État jacobin français. Et vous connaissez tous plus ou moins l'histoire, vous savez ce qui s'en est suivi. C'était l'instauration immédiate de la vision unique, de la pensée unique, de l'élimination de tous ceux qui ne pensaient pas comme ces chefs-là qui ont instauré la guerre. Donc il y a eu un bain de sang dans les années 54-55. Il y a eu élimination de très très nombreux cadres qui étaient du mouvement national, ceux qui étaient proches de Messaliage. Il y avait certains qui voulaient monter des maquis indépendants. Ils ont été sommés de rentrer dans les rangs du FLN, sinon ils allaient être zigouillés, et c'est ce qui s'est passé.
Et arriva donc le congrès de la Summa en 56 avec Alban Rondal et une équipe de penseurs, des gens qui allaient penser la révolution. Et ceux-là ont institué un projet. Ils sont sortis de cette vision guerrière. Ils ont dit, nous allons faire la guerre, dégager la France et instaurer une république démocratique et sociale où il n'y aura aucune discrimination. Ça, c'est la phrase dans le congrès de la Soudan. Alors, rapidement, Abdel Rondal a été liquidé en 57, et dans l'automne 57, le CNR, le Conseil National de la Révolution algérienne, s'est réuni au Caire, sous la houlette des services égyptiens, et la première des choses qui a été faite, c'était d'inverser exactement les credos du congrès de la Soudan. Il était dit dans le congrès que la primauté était donnée aux politiques sur le militaire. Et dans la réunion du Caire, le quorum n'ayant pas été atteint, l'Assemblée a été renforcée par 10 colonels. Donc il y a eu le primat du militaire sur le politique. Dans le congrès national, il était dit qu'il y avait le primat de l'intérieur sur l'extérieur. Ça s'est passé exactement inversement. C'est-à-dire qu'il y a eu, dans les faits, de juré et de facto, si vous voulez, l'instauration, la primauté de l'extérieur sur l'intérieur. Et je passe, donc il y a eu après le congrès de Tripoli, etc. Et c'est de cette date-là, de 1957, que, à Tripoli, les tenants de la militarisation de la révolution avait infléchi l'ordre des choses et balayé les résolutions des congrégations. Et à partir de 57, il y aura, durant toute la guerre, l'inversement, le renversement de l'ordre des choses. Durant la guerre d'Algérie, au départ, et avec le congrès de la Souma, mais durant l'été 56 et toute l'année 57, avant cette réunion du congrès, avant cette réunion du Caire, le commissaire politique était le chef de l'officier militaire dans l'organisation ALN-FLN. Après la réunion du Caire, vers début, fin 57, début 58, les choses se sont inversées, le commissaire politique est passé sous l'autorité de l'officier militaire de zone. Ça, c'est vous lisez Harbi, il explique très bien cette inversion. Et c'est de là qu'est né le régime militaire algérien. Et l'armée s'est soumis le FLN, l'organisation FLN et l'organisation OCFLN. Des associations civiles, bien sûr. Et toutes les structures de la guerre sont passées sous la direction des militaires. Je vous passe entre parenthèses l'opération de la Bruyère, etc., etc. C'est pour vous dire comment le caractère militaire, quand il n'a pas, si vous voulez, quand il n'est pas soumis à une pensée et une direction civile, parfois, il tombe dans des excès et parfois, il se fait, entre guillemets, se fait avoir, comme dans cette histoire de la Bleuite, où l'état-major local de l'ALN a décimé toute l'élite intellectuelle de la région parce qu'il avait été manipulé par le service français. Donc, soit, je fais rapidement, 62, l'armée des frontières débarque. Elle envahit, elle prend Alger, elle destitue le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, qui est le gouvernement légitime, celui qui a négocié les accords d'Évian, celui qui a ramené le cessez-le-feu, elle le met de côté et elle prend le pouvoir avec un habillage civil en mettant Ben Bella à la tête de l'État. 3 ans après, le même Ben Bella a été évacué. Mais pendant, en 1962, quand l'armée des frontières a débarqué, a pris la capitale, a pris le pays,
En éliminant évidemment toutes les poches de résistance des wilayas intérieures, en éliminant les opposants politiques, les uns ont été assassinés, les autres ont été exilés. Ceux qui ont tenté de monter des partis d'opposition, comme Boudiaf qui a monté le PRS, parti de la Révolution Socialiste, et Aït Ahmed Hussein Aït Ahmed qui a monté le FFS, ceux-là, ils ont été mis. Donc, vous connaissez le maquis de 1963, Aït Ahmed a été exilé, Kérim Belkacem a été par la suite assassiné, Khaydar, etc. Donc, toute l'opposition a été dissimulée. Et le colonel Boumediene, qui entre parenthèses n'a jamais tiré un coup de feu contre la colonisation française, et s'est auto-proclamé donc le néron, le despote, le chef du pays. Et ce qu'il y a d'intéressant à connaître pour expliquer la crise d'aujourd'hui, c'est qu'en 62, il y avait dans les bagages de l'armée des frontières, il y avait ce qu'on appelait le MAL, le ministère des armées des liaisons générales. Ce sont les services de l'armée des frontières, les services de renseignement. Donc, en 62, quand ces services sont rentrés, il y avait 15 000 cadres dans ce ministère des liaisons générales. Alors que les autres ministères avaient 5 ou 6 cadres chacun formés. Mieux que ça, c'est que juste après l'indépendance, dans les premiers, notamment après le coup d'État de 65, Boumediene va envoyer en URSS et dans les démocraties de l'Est, dans les pays de l'Est, satellites de l'URSS, il va envoyer quelque chose comme 25 000 candidats à la formation auprès du KGB. Donc, alors, ces gens-là qui ont été formés, dans l'un très connu, c'est Qasdin Merbah, qui a été le chef de la sécurité militaire, le lieutenant Medien, qui devient par la suite le colonel général, je ne sais plus quoi, Toufir, qui est le chef du DRS de 90 à 2015. Alors que Qasdin Merbah, c'était la période d'avant, chef de la sécurité militaire. Pour vous dire que dans cette armée des frontières, il y avait ce qu'on appelle maintenant un peu pompeusement l'état profond. L'état profond pour ne pas dire les services de sécurité. Et les services de sécurité étaient la colonne vertébrale du système politique algérien. Et Boumediene a fabriqué un système qui n'a existé que durant la Seconde Guerre mondiale chez les Allemands et plus tard un peu chez les Russes. C'est le système de la doublure politico-sécuritaire. C'est quoi? Je vais vous donner un exemple concret, vous allez comprendre très vite. Vous allez à la wilaya de Bouji, au mois de mai. Alors la wilaya de Bouji est appelée à aider la direction de l'éducation pour réaliser les examens scolaires. Alors le directeur de l'éducation est convoqué à la wilaya. Il aura deux réunions. Il aura une réunion logistique avec le wali apparent. C'est le wali que vous voyez, que nous voyons tous avec sa voiture, il sort, sécurité, les sirènes et tout ça. Le directeur de l'éducation va se réunir avec ce type-là et son secrétariat. Ils vont s'occuper des tables, des écoles qui vont être mobilisées, l'eau, l'électricité, la logistique, le transport des candidats, la restauration des surveillants, etc. Ensuite, le même directeur de l'éducation va être convoqué par un autre wali invisible que vous ne connaissez pas. Il s'appelle le DOPS, le directeur des opérations de prévention et de sécurité. Lui, il s'occupe du vrai. Le transport des sujets, les listes de surveillants à expurger des syndicalistes, des bonhommes qui troublent un peu, ils ont des listes. Et ce DOPS-là, quand le directeur d'éducation va se présenter là-bas avec ses brochures et tout, il va convoquer les autorités de l'État les plus importantes.
il va convoquer le colonel de gendarmerie et il va convoquer le colonel de police. Il va leur donner des ordres comme s'il s'agissait de ses subordonnés. Là où nous voyons la réalité du pouvoir, donc on a affaire à un pouvoir le même, de l'extérieur nous avons là où il est. Et quand on approche dans le fonctionnement, nous avons un wali apparent et nous avons un wali réel. Ce wali réel, dont je parle tout à l'heure, je parlais tout de suite, s'occupe aussi des élections. Ce n'est pas le wali que vous voyez qui s'occupe des élections. Il va s'occuper des boîtes, des centres, de l'eau, de l'électricité, etc. Mais la procédure électorale, les boîtes électorales, etc., c'est votre climat. C'est pour vous dire comment le système boumédiéniste a été construit. Et dans ce système-là, comme Boumédien voulait instaurer un État, il a créé l'État de son armée. Comme dans certains pays, on crée l'État pour la société. L'État, c'est quoi? C'est un ensemble d'institutions articulées qui fonctionnent au service de la société. Boumédien a créé un État au service de son armée. Au point où, pour faire partie de la responsabilité de l'État, il fallait subir, il faut toujours, jusqu'à présent, subir une enquête de la police militaire. Vous voulez devenir, par exemple, directeur d'une banque d'État. Vous êtes soumis à une enquête de la sécurité militaire, actuellement dite DSS ou bien DRS. Si vous n'avez pas l'avis favorable, vous ne serez jamais directeur de cette banque. Combien même vous serez le meilleur financier du monde. Ce n'est pas la compétence, mais c'est l'allégeance. Mieux que ça, il fut un temps, jusqu'à 90, avec l'apparition du multipartisme un peu spécieux, il y avait un article pour être responsable dans ce pays d'un quelconque échelon, il fallait émerger au FLN, il fallait avoir la carte du FLN, par le seul article 120 du code de... Il fallait avoir la carte du FLN, il fallait passer l'enquête de la police politique pour pouvoir être chef d'un souk-el-fdaa ou bien d'un hammam ou bien pour peu qu'il soit propriété d'État. Vous voyez un peu la nature de ce système. Et jusqu'à présent, quand nous entendons système dégage, la population a besoin d'éclairage. Le système, ce n'est pas uniquement le système apparent, ce n'est pas ce que nous voyons. Ce que nous voyons n'est que la tête de l'iceberg. C'est un peu le rocher Hachimbez. Mais à l'intérieur de l'eau, il y a l'état profond. Et cet état profond, c'est lui qui, en ce moment, résiste et organise ce que nous dénommons la contre-révolution. C'est-à-dire, il organise l'inertie, il organise les fake news, il divise, quoi, de façon très simple, il divise pour régner. Diviser pour régner. Alors c'est la division horizontale, spatiale, division géographique, parfois ethnique, division de genre, homme-femme. Maintenant il y a une nouvelle division qui est sortie, c'est la division verticale. C'est la division entre guillemets généalogique. Vous avez 20 ans, vous êtes trop jeune. Vous avez 50 ans, vous êtes trop vieux. Vous avez 35 ans, vous n'avez pas beaucoup d'expérience politique. Donc c'est saucissonné. La société est saucissonnée, coupée en tranches d'âge. De façon, c'est une manière de diviser cette révolution qui a surpris beaucoup de monde. Cette révolution, contrairement à ce que certains appellent le miracle, moi je n'ai pas tellement de penchant religieux,
Ce n'est pas un miracle, c'est le résultat de l'accumulation des luttes populaires, des luttes sociales, des luttes politiques. Des Algériens se sont sacrifiés, des Algériens sont morts, des jeunes ont donné leur vie pour faire juguler ce système-là. Et maintenant, grâce à cette génération des réseaux sociaux, contre laquelle le système ne peut rien, parce que l'information circule, le partage se fait très vite, et le système n'a pas adapté ses instruments de répression, donc il a été pris de court comme tout le monde, même nous, les élites, ceux qui réfléchissent entre guillemets à la société, tout le monde a été pris de court par cette fulgurance de l'apparition de la société sur l'espace politique. La population s'est appropriée, réappropriée l'espace politique qui lui a été enlevé depuis des décennies. Et depuis qu'elle s'est appropriée cet espace politique, il y a eu une intelligence collective qui a émané du frottement de toute cette population, les échanges extrêmement rapides grâce aux nouvelles techniques de communication, les réseaux, les blogs, les images, beaucoup d'images, beaucoup d'émotions qui sont mises en fonction pour mobiliser les gens. Donc tous les paradigmes du système ont été balayés. Et émergence donc de cette nouvelle force qui entend imposer la souveraineté du peuple. Qui entend imposer la souveraineté du peuple. Alors, cette situation-là, ce système-là, on pourrait parler toute la nuit de ce système, mais je voulais juste illustrer un peu la difficulté que nous avons maintenant, pourquoi il y a toute cette inertie et comment se fait-il que ce système résiste. C'est parce qu'il a une partie qui est invisible. Ce système, il a une partie qui est invisible, qu'on ne voit pas. Comme ça, à l'extérieur, nous voyons la police, nous voyons la gendarmerie, nous voyons les sirènes, nous entendons les sirènes, on voit un peu les administrations et tout, mais le fonctionnement interne, cette ambivalence, cette dualité, cet accompagnement parallèle d'un pouvoir apparent qui est contrôlé par un pouvoir invisible, cette nature du système politique algérien n'est pas perceptible par tout le monde, évidemment, manque d'informations, et puis il n'y a jamais eu vulgarisation sur ce problème-là. On ne connaît pas vraiment la nature du système. Au point où, je peux m'avancer un petit peu, depuis 1990, avec l'avènement des nouveaux partis politiques, à ma connaissance, il n'y a pas encore un parti politique d'opposition qui a fourni l'analyse de la nature du système. Je n'en connais pas. Je ne connais pas un parti, peut-être que c'est une lacune, je ne connais pas. Même si vous en connaissez, peut-être dans le débat, on verra. Je connais les statuts du RCD, je connais ceux du FFS, je connais ceux de la gauche, de l'extrême gauche et tout. Mais point d'analyse du fonctionnement du système. Même ici, dit-on, comment ce système est né, comment il s'est militarisé, comment il fonctionne, comment il s'est assujetti la société. Et mieux, surtout, un volet très très important, c'est que cette armée des frontières a mis la main sur toutes les légitimités. Et le discours invariable qu'on entend encore maintenant de la bouche de Gaïd Salah, c'est que l'armée nationale populaire ANP est l'héritière légitime de l'ALN. Grand point d'interrogation, est-ce que réellement l'ANP est l'héritière légitime de l'ALN? Est-elle née de l'ALN? Ou alors a-t-elle grandi à l'extérieur et qu'il est venu usurper les légitimités historiques, la légitimité symbolique et, si vous voulez, la légitimité de tout le combat
Et au-delà de 1954, donc tout l'héritage du mouvement national, cette armée a mis la main dessus, et avec un discours socialisant dans les années 60, 62, 63, avec l'autogestion, un rapprochement de l'époque avec la Yougoslavie de Tito, ensuite par la suite, si vous voulez, une sorte de redressement, on a créé une sorte d'anarchie comme ça pour laisser souffler la population, puis l'armée reprend la main avec le coup d'état de 65 et instaure une discipline de fer. Les personnes aussi âgées que moi se souviennent de la fameuse police militaire, LP. Dans les rues d'Alger, Constantine, Bougie, vous rencontrez des colonnes de 3 à 4 soldats avec un casque, c'est écrit MP, vous ne voyez pas leur tête, ils avaient une matraque. Si pour votre malheur, vous leur coupez la route, ou bien vous avez une veste, vous avez acheté à l'Afrique une veste militaire, ils vont vous tabasser jusqu'à la mort. Il y a eu un jeune qui a été tué à la gare de Bougie. De cette manière-là, il avait porté une veste qu'il avait achetée dans le marché de fripe, c'était une veste militaire kaki. Ils lui ont demandé de l'enlever, il n'avait pas bien compris, il a mal réagi. Ils lui ont tombé dessus, un ami Mouf. Il est mort à la gare de Bougie. C'est en 1967. C'est un jeune d'armée. Pour vous dire que, comment ce système-là a mis la main sur toutes les légitimités. J'ouvre une petite parenthèse pour dire que cette mainmise sur la légitimité symbolique s'est accompagnée de crimes contre l'humanité qu'aucun peuple au monde n'a vu. Le colonel Boumediene a caché le cadavre du colonel Abderrouche et du colonel Sarkozy. Pourquoi, selon vous, a-t-il caché ces cadavres? C'est pour usurper la légitimité symbolique. Parce que si le colonel Abderrouche avait une statue à Alger, 1963-62, le colonel Sinaoua, la même chose, tous les autres colonels, ils auraient eu leur statue un peu partout dans les régions, la légitimité n'était pas prenable. Elle reviendrait au peuple, elle serait visible. Donc ce colonel-là, on n'a jamais vu ça, la Stasi allemande, il n'y a pas eu dans l'humanité un cas pareil. À ma connaissance, c'est peut-être du temps des pharaons, je ne sais pas, peut-être que ça a existé. Ou là, du côté de, sous l'Empire romain, ou là, sous les Tatars, les Gengis Khan, je ne sais pas, mais je crois. Chez nous, en tous les cas, dans l'histoire, dans notre histoire contemporaine, c'est un fait qui est passé comme ça, mais qui est très, très, très significatif de la nature de ce pouvoir. Où aller jusqu'où peut aller ce pouvoir pour s'accaparer la rente historique. Par la suite, il va la doubler de la rente économique et va la tripler avec la rente islamique. Et ce régime-là, il va asseoir sur ce trépied l'histoire, la religion et la rente pétrolière. Et il va perdurer. Évidemment, il a fait des petits élèves. Le colonel Boumediene a fait des petits. C'est pas au sens biologique. Hein. Bouteflika était son élève, qui par la suite va s'avérer être l'élève qui dépasse le maître. Depuis 1999 à ce jour, jamais nous n'avons vu dans l'histoire du tiers-monde du moins, quelqu'un qui a été aussi bien servi par les circonstances du marché mondial, qui a engrangé 1000 milliards de dollars de rente pétrolière, d'après les chiffres officiels de l'État algérien, son système, on a dépensé 680 milliards. Et sur les 680 milliards, les instituts internationaux de lutte contre la corruption ont placé la barre à 40% de corruption. Donc 4 fois 7, 28, 280 milliards de dollars, qui est une corruption visible.
sans parler de la dissipation de la manne pétrolière par des artifices que les économistes et les financiers maîtrisent beaucoup. Donc, ce système-là est arrivé au bout de ses contradictions. Il est arrivé au bout de ses contradictions, comment ça? Quand l'élève Bouteflika a voulu réviser le cahier de Boumediene. En tournant les pages, il s'est rendu compte que l'état profond lui échappait. Et il s'est mis à crier, comme un enfant à qui on a enlevé un bonbon, « Je ne veux pas être un trois-quarts de président. » Qu'est-ce que ça veut dire « je ne veux pas être un trois-quarts de président » Ça veut dire qu'il y a trois-quarts de la décision politique qui lui échappe. Alors il va déployer une énergie incroyable pour déplacer les centres de décision vers sa responsabilité personnelle. Il va tenter de casser les services dont je parlais tout à l'heure d'état profond, il va les émietter, les déchirer et ramener un peu le noyau de ces services à la présidence de la République. Et l'autre noyau, il va le mettre sous la houlette de l'état-major général, alors que ces services étaient distincts de l'état-major général depuis très longtemps. D'ailleurs, on les appelle sous le sobriquet les malgaches, malgue. Ministère des Armées de Liaison Générale, les survivants de ce ministère-là sont encore là, il y en a beaucoup, ils ont constitué une association qui s'appelle les Malgaches. Et cette association-là a tiré la sonnette d'alarme il y a 5 ans, lors du 4e mandat, en disant attention, la lutte des clans. Donc, je cite, la lutte des clans va emporter le système global. Je ferme. Ça, c'est les anciens du Mali qui avaient tiré cette sonnette d'alarme. Et actuellement, c'est ce qui se passe. C'est l'une des plus grandes victoires, bien la première victoire de la révolution citoyenne, de la population qui est sortie. Elle a exacerbé les contradictions entre les clans du pouvoir. Et une bataille rangée est en train d'être livrée entre les anciens du mal dont je parle, à leur tête Toufir, Tartagi et autres, contre l'état-major général de l'armée qui est entouré de cette région militaire. Voilà la bataille qui est en train d'être livrée. Et durant le temps où Bouteflika était au 4e mandat, il était pratiquement inerte, il est grabataire inopérationnel, etc. C'était une clique de la présidence qui dirigeait le pays. Pendant ce temps-là, il y a eu des liens qui s'étaient tissés entre les anciens services, notamment de Toufir et de Tartagi, etc., avec ce que Gaïd Salah désigne par les forces anticonstitutionnelles. À savoir, Saïd Bouteflika et son entourage. Et cela, d'après les lectures officielles, ce groupe-là a tenté de renverser Gaïd Salah et s'accaparer et reprendre l'initiative politique à son compte. Évidemment, ils se sont livrés la bataille et dans toutes les batailles, il y a un vaincu et un vainqueur. Et chez les vaincus, parfois, il y a des gens qui se trompent d'appréciation, donc ils s'alignent avec les vainqueurs et croyant qu'ils, avec les vaincus, croyant qu'ils vont gagner et qui se trouvent avec eux en prison ou exilé ou là. Donc c'est un peu le résumé de ce système. Alors ce système, il a créé donc le primat de l'armée. L'armée a créé son propre état économique qui s'accapare la rente
pétrolière. Ceux qui dépensent l'argent comme ils veulent, ils ont créé leur propre justice. C'est une justice aux ordres, ce qu'on appelle la justice du téléphone. Une justice qui est soumise à l'exécutif. Dans tous les pays dits démocratiques, il y a les trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire, et il y a l'indépendance des uns et des autres. Et la justice n'a pas à obéir à l'exécutif. Chez nous, c'est une justice qui est dirigée par l'exécutif. Le Haut Conseil de la magistrature, son président, c'est le président de la République. Et en son absence, c'est le Premier ministre qui... Pardon, c'est le ministre de la Justice qui fait office. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun magistrat qui peut être libre de quoi que ce soit. C'est-à-dire que tous les textes de la justice algérienne font que cette justice obéit à l'exécutif en place, et au président et vous continuez, vous connaissez plus ou moins toutes les déviations de ce système qui a atteint, si vous voulez, son seuil de contre-productivité. C'est-à-dire qu'il est arrivé à un niveau où il ne peut plus gérer ses propres contradictions. L'une des grosses contradictions visibles comme le nez sur la figure, c'est la corruption. Tout le monde dans le monde, tous les États montrent du doigt l'Algérie. L'ambassadeur de France, le dernier, a déclaré que jamais de l'histoire de la colonisation, de l'indépendance, etc., on a vu un aussi fort taux de corruption, et une corruption qui a atteint, qui n'est pas resté dans le monde de la finance, c'est devenu une corruption symbolique. C'est une corruption humiliante pour la population. Arriver à offrir un cheval à un cadre, jamais dans l'histoire humaine ça ne s'est déroulé. Ça ne s'est jamais fait. Le président incarné par une photo, on lui offre un pur sang, un cheval de course. On lui offre. Et sous les caméras, les youyou et les applaudissements. Arriver à ce niveau de... Je ne sais pas le qualificatif. C'est une humiliation symbolique de la souveraineté nationale. C'est-à-dire que ce qu'on appelle Algérie, la souveraineté, elle est souillée dans de la vase, dans le malus. Et toute l'accumulation de ces bévues, de ces erreurs, de cet progrès de la population a fait émerger un certain 16 avril, ici, pas loin de chez nous, une population qui est sortie. Une semaine après, c'est le raz-de-marée national dans toutes les wilayas, et cette violence a surpris pas mal de monde. Peut-être on connaît ce système qui a spolié, qui a perverti, qui a détourné, qui a usurpé toutes les souverainetés et qui a créé une population assistée et une population addicte, accoutumée à l'assistanat, une population qui arrive à revendiquer le couffin de Ramadan. Alors que l'Algérien en 62, il était connu dans le monde pour être Zawali ou Fhel. Au bout de 58 ans, il est devenu Markanti ou Rhis. Il se plie à des choses inimaginables. On n'aurait jamais imaginé un Algérien, avec toute sa fierté, aller faire la queue pour qu'on lui remette un couffin. Et vous connaissez la dernière. Quand l'État, dans son indigence, dans sa pauvreté intellectuelle, a voulu faire du politique sensationnel, supprimant le couffin de Ramadan, mais ils n'ont pas prévu de le remplacer par quelque chose pour signifier la pauvreté d'un citoyen qui va demander ce couffin. Et on a sorti le certificat de l'indigence dans la pauvreté, qui était un document de la colonisation française. Et on l'a sorti en 2019. Vous
cet état dans quel rapport de mépris il est avec sa population. Quel que soit notre niveau de soumission, quel que soit notre niveau, il arrive un moment où il y a une réaction instinctive. C'est une réaction quasiment animale, c'est irréfléchi, c'est réflexe. On réagit contre l'humiliation. Et dans notre culture kabyle, je ne vous apprends rien du tout, quand on parle de deux personnes, une personne qui a battu une deuxième, ils se sont bagarrés pour sauver la dignité de celui qui a perdu dans la bagarre. Il y a, dans la sémantique, ce régime-là n'a même pas cette finesse. C'est un régime brutal, à la Néron, c'est un régime despotique unique au monde. Malheureusement pour nous, il a été servi par la rente pétrolière. J'imagine, en 20 ans, 1000 milliards de dollars entre les mains de ces types-là qui nous dirigent. 1000 milliards de dollars, et vous savez, les économistes savent que 1000 milliards de dollars, ce n'est pas un stock, c'est un flux dynamique. C'est-à-dire, si vous avez 1000 milliards, au bout d'un mois, vous allez en produire quand même une bonne partie. Il suffit de les mettre dans une banque quelque part et vous avez au moins 10%. Donc c'est un flux d'argent, c'est pas uniquement un stock comme ça qu'on gère de façon thésaurisée. C'est de l'argent qu'on fait fructifier. S'il y avait eu une bonne gestion de cette manne pétrolière, elle aurait été transformée en investissement productif. On serait sorti de la rente pétrolière, on serait sorti de l'économie rentière. Mais l'économie rentière, c'est une économie qui a un visage politique. On ne veut pas sortir de l'économie rentière. Parce que l'économie rentière, c'est l'assise sociale, économique, symbolique, si vous voulez, de l'oligarchie politique qui nous dirige. Ceux qui nous dirigent dans ce pays sont liés au marché international par l'import-export. C'est-à-dire l'import-import, l'export est vraiment insignifiant. On importe et on joue. Évidemment, la surfacturation, toutes les techniques sont connues, les comptables, si on a parmi vous, on connaît l'ancienne technique de la RRRO, remise, rabais, ristourne obtenue, donc qui renvoie à la surfacturation et remise en dessous de table, etc., etc., ouverture des comptes offshore et tout ça. Bon, ça c'est un autre discours. Toujours est-il que si, d'ailleurs, comme vous me dites, a disparu, ceux qui ont suivi par la suite Chertry avec son équipe, quand ils nous lançaient ce fameux slogan « Pour une vie meilleure », et qu'on nous a acheté des frigos, on nous a acheté des petits appareils électroménagers, et puis là, les gens se disputaient, on faisait la queue devant les sommets pour acheter un frigo, pour acheter une télé, une babouna, etc. Pendant cette époque-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les monopoles d'État qui représente la souveraineté de l'Algérie sur le marché extérieur, sur le commerce extérieur. Les monopoles qui étaient chargés du commerce extérieur ont été détricotés, déconstruits, et cette souveraineté est passée entre les mains d'une bourgeoisie privée. D'où est-ce qu'elle est venue, cette bourgeoisie privée? C'était d'abord une bourgeoisie d'État qui dirigeait tous les appareils, toutes les suites, ces sociétés-là, SNS, SNREPAL, etc. C'était l'époque où on disait ça sonne partout, ça répond pas. C'était SN, toutes les sociétés commençaient par SN, Société Nationale. Toutes ces sociétés-là avaient enfanté une bureaucratie qui était surpayée, qui était hors échelle, qui a construit une bourgeoisie, et ce sont les enfants de cette bourgeoisie d'État à qui on a offert des monopoles du commerce extérieur et qui sont devenus actuellement milliardaires. De la bouche de Bouteflika, en 1999, quand il est arrivé, dans son deuxième discours, il a dit que jamais l'Algérie n'a connu un aussi haut, un aussi fort taux de corruption
où c'est un pays où il a dit ça, il a dit, donc c'est un pays où 15 généraux se partagent le commerce extérieur. Et je vais mettre fin à cette corruption. Et on a vu, il y avait 150, il y avait ces 15 généraux, maintenant il y en a 150, je crois, ou quelque chose de plus. Donc c'est un échec de ce point de vue-là. À chercher vraiment les profondeurs de ce système, nous arriverons à imaginer un système qui ne va pas refaire cette... c'est pas des erreurs, mais c'est des déviations, des dérives, des fautes très graves. C'est de la trahison de la souveraineté nationale qui s'est déroulée dans ce pays. Et on va imaginer un système, donc, vers lequel nous allons transiter. Et la meilleure technique de l'élève qui ne connaît pas ou bien du mauvais élève, c'est de copier. Vous allez à l'école, quand vous n'avez pas appris la bonne leçon, vous jetez des coups d'œil sur le voisin pour le recopier un petit paragraphe. Nous, qui n'avons jamais connu de république dans ce pays, qui n'avons jamais connu d'état de droit, nous avons entendu parler d'expériences de transition chez nos voisins. La transition tunisienne est plutôt réussie, entre guillemets. Il y a des choses à revoir, mais du point de vue des Tunisiens, mais de notre point de vue, nous avons vu comment ils ont opéré. La transition au Portugal, c'est une expérience très très enrichissante. La transition espagnole, avec une charte de transition, c'est une véritable école. La meilleure, c'est la transition de l'Afrique du Sud, qui est passée d'un système raciste d'apartheid vers un système démocratique. Vous allez me dire sous la direction de Nelson Mandela, oui. C'était pas n'importe quoi. Mais c'est une transition, c'est une école de transition, c'est une véritable école de transition. On jette l'œil. L'expérience des grandes nations démocratiques, les États-Unis, l'Allemagne, la France, elles ont connu historiquement un moment où elles ont installé un processus constituant, ce qu'on appelle une transition, vers l'instauration d'une démocratie, avec leur propre formule et leurs propres originalités. Et dans la quintessence, dans la nature de cette transition, nous avons beaucoup de choses à apprendre. C'est pour ça que, pour imaginer le système vers lequel nous allons cheminer, nous allons écouter la population. Qu'est-ce que nous voulons construire de Chinba? On a nos propres expériences, on a eu nos partis politiques qui ont imaginé des projets de société. Les uns se disaient laïcs, d'autres se disent islamistes, d'autres se disent café au lait, mitch. Toujours est-il que, quand aujourd'hui nous écoutons les jeunes nous dire « système dégage », le premier slogan qui était paru, c'était « Silmia, Silmia ». Et qu'est-ce que cela veut dire? Pacifique, pacifique, c'est quoi pacifique? Ça veut dire qu'on ne veut pas de violence. On en est sorti avec un tribut qu'aucun pays au monde n'a payé. 250 000 personnes entre les morts et les disparus durant cette décennie de 80, de 90 à 2000. Et tous ces gens-là, sans parler, et plutôt parlant de ceux qui ont perdu la vie antérieurement, ceux qui ont porté les premiers coups pour juguler ce système, c'est le printemps berbère. C'était d'abord le maquis de 63, l'UFFS, ensuite il y a eu le printemps berbère, il y a eu la Ligue des droits de l'homme avec tous ces gens emprisonnés, ensuite il y a eu le grand coup d'octobre 88. Octobre 88, c'est quoi? C'est le premier coup très très important qui a montré que cet accord spécieux entre la population et l'armée,
ne tenait plus. Il y avait une sorte de pacte qui disait que Jish Abir Watani, Jish Jazeera, Jish Abir Jazeera, l'armée, l'AMP, c'est l'armée du peuple. Et octobre 88, quand l'armée a tiré à Badr-el et avec même des mitrailleuses de blindés sur les manifestants, ce pacte entre symbolique, virtuel, entre l'armée et la population a volé en éclats. Il avait déjà été ébréché en 2001, et bien avant, en 80, avec tous les blessés, tous les disparus et tout. Mais en 88, c'était flagrant. L'armée ne représentait plus le peuple. Elle avait son État. Et l'État n'était pas l'État du peuple. Alors, quand on dit aujourd'hui Silmia, Silmia, ça se traduit par dans notre projet futur, on va instaurer un État où il n'y aura pas de violence. Puis est apparu en même temps, simultanément, le slogan de système dégage. Système dégage. Alors, dans ce système dégage, il y a le mot système, dont on parle depuis tout à l'heure, il y a le mot dégage. Dégage, ça renvoie dans la symbolique mémorielle de la population à l'inverse de s'engage. Dégage, c'est l'inverse de s'engage. S'engager, c'est quoi? Être gagé, tu vas rentrer chez les militaires. S'engager, dans notre inconscient collectif très très lointain, on s'engage, c'est-à-dire être chemin de l'Astra. Tu vas signer, tu vas devenir militaire. Et quand on dit dégage, ça renvoie à l'inverse, à l'opération inverse, c'est-à-dire sortir de l'emprise du militaire. C'est ça que c'est la lecture un petit peu seconde derrière ce symbole, le système dégage. Ça veut dire en fin de compte, le système qui est sous le qabla, sous la mainmise de l'armée, doit s'émanciper de cette, sortir de cette mainmise de l'armée. Et par la suite, ça va être détaillé dans les derniers slogans. L'armée doit s'occuper de ses fonctions principales, la sécurité de la nation et la sécurité du citoyen. Ce sont ses fonctions. Elle n'a pas de fonction politique propre. Quoique, dans notre pays, elle n'a eu que cette fonction. C'est la fonction politique. Depuis 1962, elle nomme et elle dégomme les présidents, elle installe les chefs, elle installe les directoires, elle impose des règles, elle fait passer des lois anticonstitutionnelles, elle fait ce qu'elle veut. C'est ce qu'on appelle une dictature. Et la malice de ce système, c'est d'avoir habillé le pouvoir militaire avec un pouvoir civil apparent. Ce sont les enjoliveurs démocratiques. C'est comme dans une voiture, on met un enjoliveur pour qu'on ne voit pas la jante. Ça devient cheval. Et beaucoup des partis de notre opposition ont joué ce rôle d'enjoliveur pour donner un visage démocratique à l'extérieur, un visage de l'Algérie à l'extérieur, un visage plus ou moins acceptable pour que le minimum de relations puisse être établi avec ces pays-là. Donc ce peuple-là qui est sorti et qui hurle système dégage, donc il veut mettre fin au jacobinisme colonial. Le jacobinisme colonial n'en est jamais sorti. Au point où nous avons tous dans la tête que ceux qui ont pris le pouvoir en Algérie, en fait, n'ont fait que remplacer ceux qui étaient partis en 1962. Ceux qui ont pris le pouvoir en Algérie, ils ont remplacé l'oligarchie militaire française qui dirigeait et l'administration coloniale qui dirigeait ce pays. C'est d'autant plus vrai que tout un faisceau de loi n'a pas changé depuis le Senatus Consulte. Quand on voit maintenant les lois qui régissent l'aménagement du territoire, c'est effarant. On fait la comparaison avec les lois coloniales.
Et ce jacobinisme-là, quand on dit système dégage, ça veut dire qu'on ne veut plus d'autorité centrale. Vous savez, dans, chez nous, je vais vous faire des petits détails comme ça, je prends un peu la parole un peu longuement. Il y a certaines communes qui sont pauvres, il y a des communes qui sont riches. Alors les communes pauvres, par exemple la ville de Bidjaïa, je prends Ibarbachel ou bien Azmlikesh, je ne suis pas une commune très très pauvre, qui n'a aucune ressource, elle vit si vous voulez, du transfert d'un peu de ressources des communes qui en ont, qui ont beaucoup d'impôts, comme la commune d'Arbour, la commune de Bougie. Donc ce fonds-là, il va transiter par les autorités centrales les plus hautes. C'est-à-dire que si vous voulez changer les trottoirs à Barbacha, ce budget-là va vous venir de la présidence de la République, entre guillemets. Il va venir des autorités centrales, du trésor, que le fonds FCCL va transiter par revenu. C'est une aberration du centralisme jacobin. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas un centime pour l'initiative locale. Il y a plein d'exemples comme ça où on voit un petit peu, on n'a qu'à revenir à l'exemple du Wali. Le Wali est désigné à partir du pouvoir central, c'est le président de la République qui désigne le Wali. Toutes les autorités locales sont désignées, celles qui sont désignées par l'échelon central le plus haut. Ça, c'est le jacobinisme. C'est-à-dire que rien ne doit échapper à l'œil de ceux qui nous dirigent en haut. Et ceux qui sont en bas à l'initiative et à la décision politique sont généralement des commis de l'État qui ont des feuilles de route pour distribuer la rente. Distribuer la rente sous forme clientéliste. C'est des cercles. Plus vous êtes proche, plus vous avez la chance d'avoir votre petite part. Mais il faut comprendre aussi que si on vous donne un marché, vous êtes un petit entrepreneur, vous avez la chance d'avoir un marché, vous allez comprendre que si vous ne faites pas une ristourne, si vous ne remettez pas de l'autre côté un peu de carburant pour ceux qui vous ont signé, le prochain marché, vous ne l'aurez jamais. C'est un peu l'institution de la corruption de façon quasiment automatique. C'est devenu automatique. Nous connaissons des réseaux ici, dans notre wilaya, qui fonctionnent au couffin de billets. Il y a un marché qui va être mis avec des plis, ouverture de plis, etc. Il y aura l'ouverture des plis, il y aura tout le théâtre, tout le simulacre, tout est bien, mais le marché est déjà donné à celui qui a eu le réflexe de déposer son couffin 15 jours avant et qui connaît où il faut déposer le couffin de billets. Donc cette corruption-là, quand on dit système des cages, c'est ce qui touche carrément la population. On la voit, on la sent, on la voit et elle est dans l'ambiance générale. On veut que ça cesse. Alors, il y a dans le système des cages, il y a autre chose que moi j'ai perçu que sans doute vous touchez tous le doigt, c'est qu'il y a dans notre pays des gens qui se sont accaparés le bien commun. Vous prenez par exemple sur le littoral algérien, il y a des gens qui ont des plages privées. Vous savez très bien que le littoral c'est un bien commun, il appartient à l'État algérien, il appartient aux Algériens. En 62, il n'y avait pas de personne qui avait des plages privées. Vous savez qu'il y a des gens qui construisent des villas sur des rochers, au milieu de la mer, qu'ils appellent auberge ou des trucs comme ça, et qui reçoivent la nomenclatura et l'oligarchie locale et nationale. Ces gens-là, ils sont devenus propriétaires du littoral. Alors vous savez que la loi, c'est 300 mètres. À partir de l'eau, 300 mètres, toute la bande, c'est la propriété du peuple, propriété de l'État. Il y a des gens qui ont été autorisés à forer dans la nappe albienne, dans la nappe phréatique, jusqu'à 2500 mètres. Ils pompent de l'eau, qui est une ressource des générations futures, ils la vendent en bouteille, avec
avec des noms symboliques de notre révolution. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a des gens à qui on a donné des ports, ou bien une partie d'un port, pour qu'ils montent ces usines. Et il y a d'autres qui se sont accaparés, les plus visibles, il y a des gens qui se sont accaparés des puits de pétrole. Les Kouninefs se sont accaparés des puits de pétrole. Et ainsi de suite. C'est-à-dire, ce qui vous appartient à vous et qui nous appartient à tous est devenu la propriété de quelques familles qui sont proches du cercle présidentiel. Et quand on dit système des gages, c'est que cette pratique-là, que la réappropriation soit engagée. Il faut que ce qui appartient au peuple algérien reste au peuple algérien. C'est ça que signifie, à mon avis, système des gages. Évidemment, on peut ajouter l'affaire de l'usurpation des légitimités, l'affaire de la dictature militaire déguisée sous le manteau civil, la fin de l'opposition politique domestique. Vous savez qu'il y a une opposition politique et domestiquée. C'est-à-dire qu'une... D'ailleurs, actuellement, être Freddy, être Sahari, être Sayed, il faut qu'on trouve une solution pour que, dans les apparences, le système doit partir, mais en réalité, il doit rester quand même un peu pour qu'on prenne un pied sur le marche-pied. Cette opposition-là, elle existe. C'est une opposition qui a été fabriquée par le système. Quand on entend Louis Smith Macri, qui jure dans toutes les télés qu'il n'a pas rencontré Saïd Bouteflika parce qu'il a entendu dire que Gaïd Salah a touché Waqidamas de Sioul. Ce type d'opposition n'a aucune crédibilité, n'a aucune épaisseur. C'est incroyable. Donc elle doit. Et bien sûr, il y a d'autres choses, la fin de l'économie rentière, la fin de l'école idéologique, et ainsi de suite, ainsi de suite. La fin de ces nominations dont on avait parlé au début, il y a des gens qui sont nommés par allégeance, par fidélité et non pas par compétence. Nous en avons beaucoup, un peu, par exemple, les chefs, les recteurs d'université, les procureurs, et tous ces gens-là sont nommés selon les besoins de l'heure. Et selon la souplesse de leur don, de leur échine, est-ce qu'ils sont souples? Je me l'ai bien, mais il n'est pas non plus. Ensuite, le slogan Nadit al-Hawga, bon, ça renvoie un peu à la justice indépendante, ça renvoie à la fin des codes de la honte, comme le code de la famille, récupération des ressources détournées, déconstruction des institutions. Qui fonctionne au téléphone, fin des privilèges des fils d'eux et des filles d'eux. Vous savez qu'il y a certaines compagnies nationales, comme Air Algérie, dont les emplois sont réservés à des enfants de l'oligarchie. Il y a par exemple Air Algérie, elle est tout le temps déficitaire. Pourquoi? Parce qu'elle a un personnel qui est payé à ne rien faire. Il n'existe même pas. Ce sont des effectifs fictifs. C'est le fils de filles d'eux, etc., qui ont des bourses à l'étranger, qui étudient, etc., mais qui sont dans les effectifs de l'Algérie. Et il y a comme ça beaucoup de compagnies où sur le coup de téléphone, le DG est sommé de placer tel ou tel enfant de tel oligarque ou de tel chef militaire. Ensuite, le slogan de la Diro Raina, c'est la souveraineté du peuple, c'est le primat du civil sur le militaire, c'est la place à la jeunesse, c'est la fin du pouvoir gérontocratique. On vient d'entendre aujourd'hui que trois honorables personnes historiques algériennes ont appelé Gaïd Salah à pourparler avec le Hirak. Ces trois personnes, elles ont toutes dépassé les 90 ans. Peut-être que Gaïd Salah, vu son âge, ne peut écouter que des personnes qui ont plus âgées que lui, c'est un peu la culture locale. Je ne sais pas. En tous les cas, Talb al-Ibrahimi, Ali Hyad, Nour et le colonel
dernier risque, ont lancé un appel à l'armée pour qu'elle dialogue avec l'opposition politique et des représentants du peuple. On comprend très bien que dans cette offre, sauver le système n'est pas très loin. Quand on dit à l'armée, d'abord on la reconnaît comme étant l'unique force politique dans le pays, et on lui demande de pourparler avec l'opposition politique, qui, elle, est une survivance du système de Bouteflika, alors que toute la population dit « Tnahawga », tout le monde va s'en aller, mais ces gens-là appellent l'armée pour dialoguer. Bon, appeler au dialogue, c'est un acte civilisé. Appeler à un pacte, c'est un acte civilisé. Mais avec qui? Si c'est pour sauver ce qui reste du système, d'ailleurs, l'heure qui est choisie pour cet appel n'est pas fortuite. On n'est pas très loin de la fin. C'est le 20, je crois, le dépôt des listes pour la présidence. Et jusqu'à présent, aucune campagne de collecte de signatures n'a. Donc cette présidence-là, du 4 juillet, est condamnée. Donc alors que ces gens-là appellent, ça veut dire qu'en fin de compte, il me semble que ce n'est pas un appel, mais c'est un écho. On leur a demandé d'appeler, à mon avis. Voilà, et puis il y a d'autres slogans, Zer Hora Démocratie, c'est peut-être celui qui renvoie à ce que nous voulons comme projet de société. Nous voulons une Algérie libre et démocratique. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie l'adoption des standards internationaux de l'état de droit. Dans tous les pays du monde, il y a des standards, il y a des règles qui sont partagées par la communauté internationale. Ce sont des règles universelles, des valeurs partagées, qui désignent ce que c'est qu'un état de droit. Il n'y a pas d'état de droit spécifique. Il y a une architecture d'un état de droit qui est applicable pour toutes les nations. Là où il y a un état, on peut installer un état de droit. Et ces standards de l'état de droit, ce doit être, normalement, ce qui doit être accaparé actuellement par l'élite algérienne. Tous les gens qui s'offrent, l'occasion de parler, l'opportunité de s'adresser à la population, doivent connaître les standards de l'état de droit. La population demande un état de droit, demande une démocratie, demande une république, demande l'égalité des citoyens. C'est de façon affirmée, très claire, dite et redite, cela fait 13 vendredis, sans parler des manifestations en cours de semaine des corporations. Si des gens qui s'arrogent le titre d'intellectuel ou d'élite, mais elle, ils nous parlent encore de la République de Bembadis, il n'y a pas vraiment de quoi pavoiser. Hein, vraiment inquiétant. Parce que un état de droit, qu'il soit suédois, français, sud-africain, il peut être algérien, l'état de droit. Ça ne se discute pas du tout. Alors, je vais faire rapidement un peu la nécessité de la transition, donc, après la transfert de jour. C'est quoi comment construire cette transition? Quels sont les acteurs? Quelles sont les instances? Alors, pratiquement dans le monde entier, les transitions ont connu un petit peu les mêmes exigences. Il faut d'abord des personnes qui prennent en charge, on appelle ça les actants, ou bien les acteurs de la transition. Ce sont des gens engagés, des personnes, des militants engagés qui se portent volontaires pour diriger cette transition. Ils doivent être adoubés et cooptés par la population, bien désignés par la population, bien choisis par la population. Alors il y en a généralement dans le monde, ça se décline sous forme d'un exécutif bicéphale, nous avons un président ou bien un comité qui préside,
deux, trois personnes, généralement le nombre impair, trois ou cinq personnes, plus un gouvernement très resserré, fait de technocrates qui expédient les affaires courantes du pays. Ça, c'est un peu la tête. Nous avons en dessous un conseil de transition, conseil populaire de transition, qui joue le rôle de contre-pouvoir. C'est-à-dire, c'est lui qui est composé d'un certain nombre de citoyens sur tout le territoire national qui va surveiller cette présidence et ce gouvernement resserré. Et ce conseil transitoire, généralement, ils disent qu'il y a un comité technique qui va rédiger la charte de la transition. C'est quoi la charte de la transition? C'est un texte qui va préfigurer l'Algérie de demain. En d'autres termes, c'est le SMIG sur lequel tous les Algériens doivent s'entendre. Les standards de l'état de droit, la démocratie, l'égalité d'hommes-femmes, liberté de conscience, d'expression, etc. Tout ce que décline un état de droit et la charte universelle des droits de l'homme. Alors ce conseil de surveillance de la transition, conseil populaire qui va suivre ce président, ce comité présidentiel et ce gouvernement, il va les suivre de près, il va lui-même désigner un comité de transition, de rédaction d'une charte. Et ça tient généralement un mois ou deux, à partir de ce que la population a exprimé, comme on vient de le dire, l'explication des slogans et tout, et cette charte-là va être mise en œuvre par une cour constitutionnelle. C'est ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Il y a une cour constitutionnelle provisoire qui est évidemment constituée où se regroupent des constitutionnalistes, des juristes. Ce groupe-là va suivre la transition étape par étape pour lutter contre le retour à l'ancien système, lutter contre la contre-révolution, ce qui voudrait dévier le chemin, lutter contre la réémergence des forces qui ont servi le pouvoir, etc. Alors, le grand questionnement se passe dans la ressource humaine, c'est-à-dire comment désigner, qui va désigner, qui va élire, qui va choisir, qui va supporter. Par exemple, ces trois ou quatre ou cinq personnes qui vont constituer le président, qui va les désigner? Ce Conseil national de transition, comment il va être composé? Le rôle de ces organes-là, c'est de nous mener vers le projet de société que nous voulons mettre en place. Au bout de cette transition, elle va aboutir sûrement vers une constituante qui regroupera toutes les régions, toutes les élites, et tous les corps, et tous les penseurs du pays, et tous les représentants des citoyens. Cette constituante-là, elle va construire une nouvelle constitution sur la charte de transition, c'est-à-dire sur ce qui a uni tout le monde durant la transition. Par exemple, nous prenons chez nous le caractère républicain de l'État. C'est quelque chose qui était déjà dans les trois constitutions anciennes. Il y a des choses nouvelles, comme l'identité de l'Algérien, l'algérianité. On n'a plus besoin de dire que c'est l'islamité, la masérité, l'arabité. Nous sommes des citoyens du monde. C'est la citoyenneté universelle qui est notre identité. L'islamité, l'arabité, l'azérité, c'est un acquis. C'est pas quelque chose à constitutionnaliser par écrit. On ne revient pas sur sa propre identité. Personne n'acceptera de... Moi, j'accepte pas que j'aille voter si je suis kabyle ou pas. Il y a des choses qui passent pas par ces canons-là. Donc, si vous voulez, j'ai un peu tardé... Mais je voulais juste expliquer qu'il y a trois moments très très importants. Il y a le moment de l'analyse du système. Et souvent, on fait l'impasse. Je ne sais pas si c'est par ma méconnaissance, à la limite, je ne sais pas, je n'ai pas utilisé le mot de compromission, mais à l'évidence, c'est un peu de légèreté. On ne peut pas imaginer un projet, un système, si on ne connaît pas le système qui nous a mis dans l'esclavage et sous la dictature
environ près de 60 ans. Donc, à mon avis, l'analyse de ce système dans les profondeurs, et j'invite le public à jeter de temps en temps les yeux sur la presse nationale. Il y a de très belles contributions, de très belles analyses qui paraissent pratiquement au quotidien. L'élite algérienne s'est complètement libérée. Nous lisons des contributions vraiment très très sérieuses et porteuses de vision. Sur quoi que ce soit, sur le Watan, le soir, dans les Khabar, il y a des contributions de citoyens, il y a des contributions de spécialistes qui expliquent le processus constituant, qui expliquent ce que c'est que la constituante, qui expliquent ce que c'est que la transition, ce qui explique le fédéralisme, c'est quoi la régionalisation, qu'est-ce que ça veut dire l'autonomie, c'est quoi les différences entre toutes ces nuances-là, avec des exemples. On parle de fédéralisme en Suisse, on parle des États-Unis, on parle de l'Allemagne, des Landes, on parle des régions en Espagne et tout ça. Tout ça, c'est l'humanité. Et cette révolution des réseaux sociaux, la révolution de la jeunesse, nous a libérés. Elle a libéré les médias, elle a libéré le citoyen, elle a libéré les initiatives constructives. Et c'est grâce, sans doute, à cette petite révolution que nous sommes ici à parler de ce système et parler comme ça librement de la sécurité militaire. Moi, j'ai connu une période où parler de la sécurité militaire n'est pas envisageable. Vous dites, tu vas dénoncer la sécurité militaire. Juste en prononçant le mot, c'est possible que le lendemain, on agite. Mais bon, c'est grâce à cette révolution-là que nous nous sommes tous libérés, même parfois de l'autocensure. Parce que chez tout un chacun, c'est naturel, on a peur un petit peu, on se censure soi-même. On a peur d'aller sur des terrains où on va être sanctionné, réprimé, emprisonné, etc. etc. Alors que notre expression ne ferait pas avancer vraiment, c'est ce qu'on se dit. Chose qui est fausse parce que toute expression libre fait toujours avancer la liberté. Et je vous remercie. Je commence par notre ami qui est sorti, qui a posé une question et qui est parti. C'est dommage. Il parle de Deuxième République alors que Kenny, dans mon exposé, je n'ai pas parlé de Deuxième République, j'ai dit que les Algériens sont à la recherche de la République. On n'a jamais connu de République. On a connu un État militarisé, un État au service d'une armée. L'armée qui a pris toutes les souverainetés à l'indépendance, qui a mis la main sur le pays, sur les rentes et tout. Je ne vais pas refaire l'exposé. Et je dis que la population algérienne aspire à l'édification d'une république telle qu'elle est mentionnée dans le Congrès de la Sûreté. Je n'oublie pas de rappeler qu'en 1957, la réunion des colonels qui s'est tenue au Caire a rafistolé le texte du Congrès de la Sûreté. Dans le Congrès de la Sûreté, il est écrit, il est toujours écrit que c'est la révolution a pour objectif l'édification d'une république démocratique et sociale sans aucun antagonisme. Et la réunion de 57 a ajouté construction d'une république démocratique et sociale dans le cadre des principes de l'islam. Et ce qui n'était pas dans le congrès de la Sûreté. Donc c'est pour répondre à notre ami qui est parti. La dernière question, l'expérience de réussie, les expériences de transition réussies dans le monde. Il est vrai que nous sommes, nous, dans un cas spécifique. Nous sommes un pays pétrolier, un pays à économie de rente, un pays justement dans l'une des dérives
s'être mis sous la coupe du marché international, alors que dans les années, peut-être jusqu'à l'année de, jusqu'à la disparition de Boumediene, il y avait eu une sorte de nationalisme économique qui faisait que les monopoles sur le commerce extérieur, monopoles, toutes les entreprises et tous les corps qui relevaient de la souveraineté nationale appartenaient à l'État. Et il n'était pas question de privatiser certains domaines qui l'ont été par la suite, notamment l'importation. On a vu comment est née cette espèce d'allégeance à la division internationale du travail, où l'Algérie est devenue un gros marché de consommation de biens finis, de consommation directe, alors qu'elle est restée dans le schéma de la vente de matières premières. On a eu plus de 50 ans l'occasion d'organiser la transformation de nos propres matières premières et lancer un processus industriel. Boumediene a essayé de le faire avec les industries industrialisantes, qui était un schéma d'un penseur français qui s'appelle de Bernis, Stéphane de Bernis. Et ce schéma-là, donc c'était une sorte d'industrie intégrée qui allait produire de la richesse nationale et qui allait hisser à l'époque de Boumediene. Le discours officiel disait que vers 1984-85, on allait rattraper le niveau de l'Espagne. C'était un peu le discours pompeux de l'époque. Et après la mort de Boumediene, il y a eu un détricotage de ce secteur-là d'importation, etc. Et il y a eu un bradage des entreprises nationales. Vous vous rappelez d'un certain Brahimi qu'on appelait Abdelhamid La Science, qui a été affecté justement au démantèlement des entreprises nationales qu'il a découpées en petits morceaux en créant des filiales, qui est filiales jusqu'à ce qu'il y ait une disparition totale du tissu industriel naissant, qui n'était pas encore consolidé. Alors aujourd'hui, est-ce que la France, qui a énormément d'intérêts en Algérie, et notamment des intérêts géostratégiques et des intérêts économiques directs, est-ce qu'elle va laisser cette transition devenir, s'accomplir et devenir surtout un exemple pour les peuples du bassin méditerranéen? C'est ça la peur. Et la France, je n'invente rien du tout en disant qu'elle se comporte avec nous comme une puissance coloniale. Elle est toujours dans ce paradigme-là. Il nous regarde comme le réservoir des matières premières de la France. Évidemment, avec des régulations dues à l'époque d'aujourd'hui sur les prix, sur les négociations, sur un peu prendre des pincettes avec le régime algérien, évidemment, soigner le président là-bas, etc. Toute cette symbolique-là revers de la médaille, évidemment, démontre que cette puissance coloniale est très intéressée. Jusqu'à présent, on a vu la dernière déclaration officielle de la France, c'est qu'elle soutient l'élection présidentielle algérienne. Donc, on n'a qu'à comparer avec le discours de la rue. On regarde la rue qui exprime la souveraineté populaire, on regarde le positionnement de la France, on fait notre lecture. Donc je réponds, je suis d'accord avec vous, la France va tout faire pour sauver ses intérêts. Et à la limite, si je peux être un peu trivial, je vais dire qu'elle s'en fout du peuple algérien. Ce qui compte, c'est combien va lui revenir le gaz et le pétrole et autres. Combien ça va lui coûter. Et si il y a un coût politique qui va être compensé sur le terrain par une rentabilité économique, les nations dominantes, elles n'hésitent pas. Hein. Quand les États-Unis envahissent l'Irak, c'était pas pour faire de la musique, c'est par humanisme.
Il y a le plus gros réserve, la plus grosse réserve de pétrole du monde, elle ne devait pas leur échapper. Qu'est-ce que c'est que 5 ou 6 millions d'Irakiens? Avec cette logique-là, tous les colonialismes du monde. Et je ne vous apprends sûrement rien du tout, le capitalisme, quand il arrive comme ça à son stade financier, ou s'il y a des oligarchies, maintenant il y a tout un combat en Europe sur la commission de Bruxelles, etc. Toute cette organisation-là, elle nous regarde en bas comme des réserves de matières premières. Des réservoirs de matières premières pour leurs industries. Et non seulement des réservoirs de matières premières, mais aussi un marché pour leur fourniture militaire. Toutes les guerres qui ont été déclarées dans la dernière décennie, au Moyen-Orient et un peu au Centrafrique et ailleurs, c'est pour sortir les stocks des vieux blindés. Il faut bien qu'ils renoncent leur industrie militaire, qu'ils fabriquent autre chose. Moi, je pense que si actuellement, la révolution, si on peut appeler ça la révolution pacifique algérienne, elle doit se méfier, évidemment, des restes du système, des durions, c'est-à-dire de ceux qui résistent dans le système de Bouteflika, mais aussi, elle doit regarder ce qui se passe dans la communauté internationale. Absolument, le contexte international doit être exploité de façon favorable à notre démarche, et quand il faut ralentir parce qu'on va donner dans le mur, il faut être assez intelligent. Voilà, c'est un peu ma réponse. Il y a une question sur le gérandisme et le jacobinisme. À notre stade, je pense que ce sont des concepts qui nous renvoient, nous, uniquement au fait du centralisme, de l'hypercentralisme. Quand on dit jacobinisme, ça renvoie à l'hypercentralisme, c'est-à-dire l'autorité hypercentralisée. Et de l'autre côté, quand on réfléchit au gérandisme et qu'on décline, nous, pour répondre en même temps à notre question, chez nous, on parle d'autonomie, on parle de régionalisation, on parle de fédéralisme, et il me semble que, d'après ce que j'ai entendu, pratiquement j'étais un peu présent à toutes les conférences dans la région, pratiquement tous les acteurs politiques de la région sont sur un SMIC de régionalisation. Certains l'appellent l'État unitaire régionalisé, d'autres l'appellent fédéral, le système fédéral ou confédéral, d'autres l'appellent une autonomie régionale avec une reconnaissance des particularismes culturels de la Kabylie et autres. Donc, ça ne tient qu'à la classe politique de la Kabylie à s'entendre sur ce que nous voulons chez nous. D'abord sur ce que nous voulons, et pour rejoindre l'autre question qui parle des valeurs kabyles, nous avons une école dans notre mémoire. Nous n'apprenons pas grand-chose par rapport à la démocratie. Les invasions, particulièrement les Kabyles, au temps de la démocratie grecque, ils avaient leur agora, ils connaissaient un agré, on a les tajmah. Et les mêmes ressorts, c'est Tiziwi, ce sont des Tiramiwi, Tiziwi, ce sont des civilisations de la même époque. Donc les mêmes contextes ont produit pratiquement les mêmes organisations. Et quand on étudie l'organisation Kabyle, elle a été évidemment, quand Bourdieu la présente, ou même Karl Marx qui en fait référence, ou encore Léo Frobenius qui parle de la mythologie qui porte l'organisation du village kabyle, tous ces gens-là qui font référence à la société kabyle, nous renvoient à ce que nous avons perdu. Je vais vous citer un cas très précis. Les Kabyles, autrefois, avaient une agora mixte. Avec les religions patriarcales, la femme a été chassée de l'espace politique. Il y a eu une période où il y avait une mixité. Ensuite, il y a eu une période où a fonctionné dans certains villages. Puis, elle a complètement disparu.
Cette régression, c'est le fait du colonialisme, c'est le fait de colonisation successive, avec leur idéologie religieuse et leur vision de la femme, etc., etc. Donc si nous retournons à notre capital ancien, à notre patrimoine, aux survivances de ce qui reste de notre patrimoine culturel kabyle, nous trouverons des issues pour nous organiser et surtout pour réinstaurer le savoir-vivre et le vivre ensemble. La Kabylie, ça a toujours été un espace de diversité culturelle et de pluralité politique. Les Kabyles, là, ils n'ont jamais connu une partie unique, sauf sous la domination de l'Algérie indépendante. Un leader boumédienne, il a instauré le parti unique. Mais autrefois, la colonisation française, la colonisation turque, etc., il y avait toujours des pouvoirs qui s'opposaient, qui se battaient. Sous les Turcs, il y avait le royaume de Koukou, qui s'opposait au royaume d'Abbès, qui lui-même est issu de Kouchi, etc. Toute une histoire qui montrait qu'il y avait toute une diversité, une pluralité politique et une diversité culturelle. La diversité culturelle, je ne vous apprends rien, vous n'avez qu'à questionner votre langue, votre parler, le sahlif. أتاسو سيسينا لا ثمس لدينا درجوني قد كيفش بلاك تفهمون النفس كان أسجل ممكن يدعان كيف كيف ما تبع عبادة كابيلة تأخذ une diversité linguistique, une diversité culturelle, une diversité vestimentaire, une diversité de culture, de tradition, et toute cette richesse a constitué notre personnalité, notre identité. Sur ce plan-là, je pense que ces derniers temps, il y a eu l'émergence un peu d'extrémisme comme ça qui voudrait avoir la main mise sur les gens, la pensée unique, la voix unique, mais bon, ça ne peut pas prendre parce que naturellement, ça ne marche pas. Non, il y a un parti unique en Kabylie, on a toujours quelqu'un qui va créer un parti rival. Et c'est de la bonne santé, c'est formidable. On n'accepte pas de. Nos proverbes disent « Rasoual al-Hinou ». Et sur les motifs, on va construire. Mais on va construire sur les schémas mondiaux, ni maoulan, ni maoulan, ni maoulan. Et je vais persister un petit peu ici pour parler du système, revenir sur le système. En 62, par rapport à la Kabylie, en 62, comment les Kabyles étaient perçus? أنت يخدم مقولين وعرب البعض مقولين تقبيلي مثل الفقد الكير مقولين تقبيلي لزواليه الفحل الساخي يلدون ما يساعدك مشتك سيديفك إلى دوني سنسان كان يدبليس يتمور ثقيم سيموبيليزي إلى دوني سيريشاس درب خامس درب تفدرين ديو ثو جليك إنو رقاردت فصول طريب طريب بوزيتي Arabes, Mkini, j'ai fait le service militaire à Constantine, sans doute vous connaissez toute l'Algérie dans les années jusqu'à l'avènement de Bouteflika. Mokolina, à ma culte des citoyens, vraiment un vdu, fait tard. Ils sont vraiment un exemple pour le pays. Depuis que Bouteflika est venu d'Égypte, il a sali, il s'imsa la vitrine et le pays. Il a tout fait. Le qui était représenté par Abel Ramadan, par le colonel Amirouche, par Rahman Isliman, par Taous Amrouche, par. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils sont représentés par Sidi Saïd, par Haddad, par Yahya. C'est cela que Bouteflika a mis comme vitrine, surtout pour la jeunesse. Les jeunes, le Jules Farix, 25 ans, aussi le colonel Amirouche, aussi le Chitre Kefbourg, le Kouvet, le Chizara. Il regarde Haddad, il regarde Sidi Saïd, il regarde Yahya, ils ont entendu parler de Khalid Atoumi, ils ont parlé des prédateurs Amara Ben Younes. Et c'est des choses, ils nous donnent le visage de la Kabylie que Bouteflika a donné au reste de l'Algérie. Et ça, c'est un crime contre l'histoire, c'est un crime contre la mémoire. Et on nous cite Samah, oui, il parle soit disant de régionalisme, il dit qu'on parle de régionalisme, de nous dire, régionalisme, de nous dire. C'est un système qui a coupé les images.
il a fait la même chose pour toutes les régions. Il a mis une vitrine. Il lui dit Sminen, dis ma chère, on y est pas où tu m'as dit, on y est en train de courir. Il nous donne l'image d'un navire comme la plus négative possible. Ainsi de suite. Donc ce système-là de prédation symbolique, pour dire que la transition, les Kabyles voudraient sortir sur l'autonomie régionale, c'est quoi l'autonomie régionale? L'autonomie régionale, c'est une forme de gestion, si vous voulez, de la société. Vous, moi, nous voulons un khdemakham ou ahdemna. Il y a des conditions de cohabitation avec le reste des Algériens. C'est une sorte de pacte, une sorte d'entente. Il faut conduire intelligemment ce processus pour dire, voilà, on va aboutir à une forme d'organisation territoriale qui fait que nous connaissons une autonomie. Et cette autonomie-là, elle n'est pas uniquement une autonomie spatiale, mais une autonomie du point de vue du contenu de notre civilisation. Moi, je veux avoir une école laïque. Je suis vrai dans cette salle d'une école de notre nature, tu es libre, mais moi, je veux avoir mon école. Et là-dessus, on n'impose pas. On compose, d'abord entre nous. D'ailleurs, je vous le téléphone, une idée, je vais vous informer d'abord. En 2011, nous nous sommes réunis à Arbouste. À Arbouste, je ne sais pas si vous connaissez. Maintenant, de la vallée de la Soumam, sur le versant nord, juste sous la crête du Djurgirien, c'est le plus gros village d'Abi. C'est 20 000 habitants. Le Nijma'adina, Daoula Anayen Gaddafi. En avril 2011, il se fait un document. Il y avait toutes les tendances d'Abi. Il y avait les autonomistes, il y avait les souverainistes, les indépendantistes, le FFS, le RCD, les personnalités, tout le monde. Donc, on a fait des travaux de deux jours et on est sorti avec un document. On a imprimé quelques trucs, c'était difficile de trouver un imprimeur, sauf une cinquantaine, une centaine d'exemplaires, une partition. C'est la Kabylie en débat. C'est la première fois que, bon, moi j'ai 67 ans, c'est la première fois que j'ai vu des Kabyles se réunir au PIF. Toutes tendances confondues et débattre. En toute liberté, en tout respect, de Yaliou et de Chikzkhmi. C'est nécessaire à ça de reconduire ce genre de rencontre. Il n'a pas dit Yaliou. Il y a cet arabe Thalth al-Khair, une tierce partie qui va réunir tout le monde, qui va inviter des représentants du FFS, le FFS, il y a deux, trois écoles, mais Maharichet, tout comme. Chaque indicateur, des gens du RCD, des gens du PST, des gens du MAC, des gens du MAC d'Aliouloud, de RPK, du RK. Donc il y a, disons, toutes les écoles de pensée. Moi je les considère comme des écoles de pensée. Toutes les écoles de pensée, les personnalités indépendantes qui n'ont pas de parti, etc. Un NJMA, pourquoi pas des égaux passent. Et on va sortir, même s'il faut se faire un autre, c'est pour tellement fraise. Cette histoire d'autonomie, de fédéralisme, de faire avec un consensus, à minima. C'est-à-dire, le Hadja, ustiendra une partie. Mais si vous avez dit, vous êtes au bout de la équipe par Kaïk, il a qu'à de neuf en Kaïk, il dit, tout le monde, et de le faire avec une charte, mais la charte est une aide. Autonomie, c'est l'autonomie, c'est le fédéralisme, c'est l'indépendance, c'est ça, c'est le débat pluriel, mais je suis dit, voilà, l'esprit unique, déjà il souffrit, vous voyez, en Algérie, on a souffert du parti unique, des choses du parti unique, c'est la pensée unique, la religion unique, la langue unique, la démarche unique, la police unique, les choix, ou les gens de la diversité. L'autre est interdit. Ou les gens qui n'ont pas dit l'autre. Les gens qui ont dit que 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 les gens qui ont dit
en cabinet, il est là, oui. Oui, il est très bien, il est très bon. L'autonomie, c'est bien, il est très l'indépendance, c'est formidable, il est très bon, les taux de Zahir, c'est extra, mais il faut quand même s'y faire. Oui, c'est ça, il y a un lien à ça. Il y a un lien à ça. Quand il y a un lien à ça, il y a un lien. Non, pas comme ça. On est sorti, ça y est, d'ailleurs. On est sorti. On est sorti, d'ailleurs, on est sorti. À partir du mois prochain, une milice. وتخدم راك البغا غا كاك نسلو حو مازال حتى هي انا من قالت المولف ما يمشي يمشي نسنا غا شحال نسنا نسنا باش ندي غاد نعيش غيدك لو فيفر اونسون شتي تقمي نتاع كان كي تقمي معاك عندنا فان تيران كوما نعيش لوحدي نعيش بيان اليز شتي خمم كي شتو ريسبكت ما الا كري خيطران جو في تو ديفوندر ميم وتحبي غا كي شتي وينيش Tu te bats pour une idée, je vais me battre pour que tu exprimes ton idée. Même l'idée que tu as dit, je vais te dire, si on est qui est parce que tu as droit d'avoir l'indépendance. Tu as droit d'avoir l'indépendance. Mais je te dis, non, tu es là où il y a. C'est quand même qu'il y a quelqu'un qui est là. Non, il y a eu un lit, ça, la crise. Et de chez lui, c'est la canne, c'est la canne minimum. Tu n'as même pas de l'indépendance, tu n'as pas de l'indépendance. On va se battre en tant que. فورس ريجيونال ان طونك ريجيون عندنا اون اوتونومي وين يفهم لا استراتيجي مثلا يون يفو كونستروير ان بروجي انديبوندونتيست دون 50 ans مي ايت اوبجي دو باسي بار سو ستاد دو اوتونومي ايت اوبجي دادهيري ا سيتي دي سورا لا سيتي با اي با روبوندير مي ما يتي ما كان لا سيتياسيون دو لوي تاو تارا دو بروجي ايت اوبجي دو كومبوزي سي سا لو كومبرومي اي لو باكت سوسيال اي سو باكت سوسيال سو كونستروي افيك لانتيليجونس الدراع ديت هو راه غادي نخدمو قبل من الدراع الى وليك خدم الدراع في الدوله الجزائر اتان تغلي اتان تغلي الى يدي ديلي في قيمة الارمي تو لو سيستم اللي انت هو ذاك اللي وكان يعدل زراه بس ادادي ادادي الوالي اللي سير لابوليس ولا جوندارمي وخر جبريل سي لو سول بيي اللي دار لابوليس البرول اللي في روج الفرونشي اللي بلونش En dehors de, mais en dehors de la loi. C'est une police hors la loi. Nous finis, tu vois, quand même, je vais te la loi. Et de nous finis. Nous finis que ce rosin de la loi. Et c'est un. C'est des déviations. Et là, il dit, on a des déviations. Et de rien, à un certain moment, il arrive. Vous êtes comme l'air, monsieur. C'est ce qui s'est passé durant la colonisation. وظل الشعب الجزائري اللي كان مث ولا غنعيش هكايا الدل لوميلياسيون هكا بداي لا يعني من خير هذا بزاف سي سكي سي باسي بور سيت جونيس لا جونيس هي اللي قبلت هذا الكر وين تخبر مساكين تروح انت بزاف وجه البحر سي كور بور سون يشتي في الحوت غادي يروح ستفلوك ستلويع في هكايا غادي تاهم باش غادي يزكر غادي يروح على اليوروب Elle dit, c'est tel psychis, d'unificin, il la met en jeu. Il a 20 ans. Au moment où il doit fleurir, elle doit se voir le haq. Elle dit, qu'il a regardé ce qu'il a dit, il a dit, où elle est l'équivda. C'est le même réflexe en 54, un bien smith, que l'on a ou l'on a l'air. C'est la même chose, la même humiliation. Vous voyez la nature coloniale de l'État algérien. C'est un État néo-colonial. Il a repris les réflexes en français. Il est dit, on rigole, il est dit, si il y a des yeux bleus, on croit, il est dit, 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 il est dit. Donc, pour rigoler, bon, si ce n'est pas des sujets de rigolade, mais c'est bon de décontracter un petit peu. Donc, je pense avoir répondu, mais des expériences, il y a des expériences réussies dans le monde, il y a des expériences. Des expériences extraordinaires. Je vous invite à lire la transition. Il y a beaucoup de documents. La transition en Afrique du Sud. Même qui te forme d'un système extraordinaire. C'est un système raciste. Un idée, parce que tu n'as pas le droit de te chevaucher dans un café. Tu n'as pas le droit de te chevaucher dans un bus. Tu n'as pas le droit de te chevaucher dans un bus. Tu dois te cacher derrière un arbre. Chacun des arbres. Ils sont sortis de ce système. Ils ont instauré un système démocratique. La transition, c'est
Il a pas de mal. D'accord, on va voir comment ils ont fait. Quel a été leur rôle, par exemple, de la Cour constitutionnelle provisoire. Ils ont institué une Cour constitutionnelle provisoire indépendante. Les magistrats, c'est des gens libres, indépendants. Ils ont oui, le canon. Mais que on doit être encore plus intelligent parce que vous connaissez à la dimension religieuse. Nous n'y sommes un peu moins lourds que chez nous. Vous connaissez, on a essayé, tu vois, dans l'Aïbadi, il s'agit de ce qu'on a quelques brides. Il y a la contre-révolution qui essaie de récupérer le mouvement et de créer le projet, l'État théocratique. Donc, vous connaissez, tu vois, là, entre. Le sorti, le parti, le système actif, dictature militaire, et le risque du dérapage et d'aller vers un État théocratique. Et c'est la transition à qui il est allié d'une extrême vigilance. Et c'est là où tout celui qui peut apporter un peu de réflexion, un peu de sagesse, un peu de tempérance acadienne, freiner les choses avancées, freiner un peu ce qu'on appelle la guérilla culturelle, l'autisme, donc vite, il faut le punir, préserver tes forces, on va avancer. Je ne suis pas pour faire peur, mais la transition de l'avenir va durer. Elle va durer, maintenant, si je mets l'élément économique et social, ceux qui tiennent la contre-révolution, même si elles mourent complètement, ils vont reprendre sur le plan économique. Vont essayer de nous créer des crises économiques. Saftara, Aurel Smith, Saftara, Hobbes, Saftara, qui ont donné de l'échelle, de l'achat, ainsi de suite. Ils vont essayer de tout faire. Et comme disait notre ami, la puissance, l'ancienne puissance coloniale, elle est en train de surveiller beaucoup la cohésion du mouvement indien, jusqu'à quand elle va tenir. C'est-à-dire, oui, les stratèges du marché international, les stratèges des firmes multinationales, du marché CDI, les firmes françaises et tout, ils sont en train de nous regarder. Et c'est généralement à un certain moment, il est abîché. Là, au moment où ils vont voir qu'il y a tous les germes de la discorde, ils vont venir aiguiser les contradictions. Ils vont faire en sorte Et ça, à ce moment-là, ils vont venir proposer leur solution, leur feuille de route, ce qu'ils ont fait en Libye. Maintenant, c'est la Libye en Basse. Ce qu'ils ont fait en Syrie, en Irak. Ils te créent le problème, ben ils te proposent leur solution. La solution en Libye, c'est des solutions. Économique strictement sensu, c'est-à-dire que les blindés, les armes, et je tire une chair à canon dans ton peuple, à tisser une guerre à vous, à tisser une pétrole. C'est ce qui est en train de se passer en Irak, en Syrie, en Libye. Nous sommes magiques, plus intelligents, mais nous sommes plus avertis. Nous avons connu une expérience par des signes de 90. On ne doit pas le faire, ce drame-là. On ne doit pas se laisser aller dans cette direction-là. Je pense que j'ai fait un peu le tour.